Nous savons tous. Le secteur privé s'engage dans la lutte contre le paludisme au Cameroun. Très éloigné des politiques de santé, ils sont proposés d'aider les populations de ces zones d'avoir accès également aux soins. Une vingtaine d'entreprises privées prennent part depuis ce 16 mai à un atelier de formation organisé par KO Palu. Nous engageons le secteur privé dans la lutte contre le paludisme au Cameroun parce que le paludisme est l'une des premières causes de l'absentéisme au milieu du travail. Et donc ça constitue une source de dépenses pour les entreprises. Et également, c'est l'une des premières causes de mortalité et de morbidité dans notre pays. Donc c'est très important pour le secteur privé d'apporter sa contribution à cette lutte importante. Pendant 3 jours de formation, ces entreprises recevront des enseignements en vue de l'élaboration des plans d'action de lutte contre le palu. Nous allons renforcer les capacités des entreprises sur le paludisme. Nous allons également apprendre aux entreprises à évaluer l'impact de leur plan d'action et à démontrer les résultats après la mise en œuvre de ces plans d'action. Donc immédiatement après l'atelier, les entreprises vont pouvoir élaborer le plan d'action qui sera validé par leur hiérarchie. Ensuite, elles vont commencer à mettre des actions de lutte contre le paludisme concrètes en entreprise et elles pourront voir les résultats de ces actions. Cet atelier est le deuxième du genre après celui de Kribi en juin 2015. L'État camerounais, à travers le ministère de la Santé publique, veut réduire de 75% d'ici 2018 la morbidité et la mortalité liées au paludisme.